All aboard! Jean-François Copé. Tu sais qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelait « Promis, j'arrête la langue de bois ». Sarkozy vient lui commander un bouquin, ça s'appelle « Premier, je ferme ma gueule ». Voilà, c'est le tome 2, pareil. Moi, ce que je préfère, c'est quand les mecs, ils font des grosses déclarations hyper fiers d'eux, et puis que 10 jours après, ils sont nés dans leur bouse. Quand Ségolène, elle était au Sénégal, il a dit « Le PS fait feu de tout bois dans un désordre lamentable ». Ah bah oui, bien vu, parce que c'est vrai que vous êtes bien organisés, en revanche. Hein. Même, je dirais, orchestrés, les mecs. Jean-François Copé ? Pas là. Bernard Accoyer ? Pas là. Frédéric Lefebvre ? Pas là. François Fillon ? Roger Carucci ? Estrosi ? Groupir ! Reste groupir ! Groupir, si on reste groupir, on va faire te rends compte, 21 députés à 15. 21 à 15. C'est un score de ping-pong. Il paraît qu'à l'UMP, en ce moment, c'est carnaval. Ils se tirent tous dans les pattes. Mais c'est Carucci qui morfle. Hein. Ah bah le pauvre mec, ah bah là, c'est... il est miné. Il sert de parapluie à Copé. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Tu sais comment on dit parapluie à l'Assemblée maintenant? On dit Copé-Broc. Copé de lapin? Copé rimé. Moi, tu sais à quoi ils me font penser, ces deux-là? On se lave, chef! Qu'est-ce qu'elle est bonne, à ta ça? Oh oui, chef! Quand on y est, elle est vachement bonne. Ouais, bah bonne ou pas, faut pas rester là-dedans. Allez, oust! Un lapin, chef! C'est malin, hein? C'est malin! Mais chef, c'est vous tout seul qui êtes tombé. Nous, on... Moi, j'ai juste dit un lapin, chef! Ça bah suffit! Oui, chef, il glisse, il dit que c'est nous. J'hésitais avec Dumb and Dumber, mais là, c'est quand même pas mal. Allez, Nicolas Sarkozy, arrêtez, c'est bon, ça va. Vous dites à Christine Albanel de s'en aller gentiment, vous lui faites un petit chèque, un petit musée national à Arras ou à Beauvais, puis on n'en parle plus, puis tout le monde l'aime bien, puis ça va, quoi. On en virera les archives, on nettoiera Google Cache, on n'en parle plus. En tout cas, moi, je m'y engage. Un jour, Brigitte Lahaie a dit... Il y a un moment où il faut se retirer, sinon ça gratte.